Salut YouTube, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Pokémon Noir 2 Blanc 2. Dans cet épisode on va affronter les derniers dresseurs sur notre chemin. Donc nos rivaux Chiren et Bianca, Game Freak Moimoto, donc un des membres de Game Freak, qui est un des dresseurs les plus puissants du jeu. Et Cynthia, on aura sûrement une revanche avec elle, avec nos Pokémon tous au niveau. Ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Du coup, on va descendre et on va commencer tout doucement par Bianca. Oui, ça recorde bien. Tout va bien. À un moment, Bianca se retrouve dans le laboratoire, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est là, enfin. Allez, Cynthia, amène-toi. Cynthia, Bianca. Bah moi, tu sais quoi? J'aide le professeur Ketelaria maintenant. Et j'y ai pensé en regardant l'augment Pokédex. Et tous ces petits Pokémon rencontrés durant mon voyage, je veux en savoir plus sur eux. Et oui. Willy, au fait, tu connais toi les apparitions massives de Pokémon? Oui. Willy, t'es vraiment un génie. Bien sûr que tu sais qu'en regardant le tableau digital qu'on trouve aux portes sur les routes, on peut savoir où dans une liste on a repéré les apparitions massives de tel ou tel Pokémon de la haute herbe. Connaître les Pokémon, il faut beaucoup les étudier. Elle parle beaucoup, elle, hein. Mais j'ai compris en voyageant que c'était ce que j'aimerais faire. Alors ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore ça. Mais bon, si tu pouvais venir faire un combat contre moi de temps en temps, comme ça je pourrais comprendre encore plus de choses sur les Pokémon. Bah viens. Oui, mais t'es chiante. Oh, on est samedi soir, viens te battre. Allez, Bianca. Bah oui, mais... Pourquoi je peux pas battre Bianca? On est pourtant dans mon jeu, il est samedi soir. Attendez, j'essaie d'avancer l'heure, peut-être. Attention. Pouf, il est 23h. Est-ce que maintenant tu veux te battre, Bianca? Oh, mais est-ce qu'elle me saoule? Tu veux battre Bianca? Bah alors Willy. Bah oui, go se battre. Le mec il n'a pas d'argument. Bon bah go avancer. Hop. Ah ça fait laguer un peu le jeu au début hein, mais vous inquiétez pas. Allez Bianca, viens te battre. N'aie pas peur. Ah Willy, dis, tu voudrais pas faire un combat avec moi aujourd'hui? Oui. Attention Willy. Comme c'est dans le labo, il faut pas se laisser emporter, hein. Et ben voilà, à nous deux, Bianca. J'avais très hâte de te botter les fesses. Ok, Mastouf. Ok, baisse mon attaque. Donc on va attaquer sur le spécial, nous. C'est pas grave. Choc psy. Je crois que je comprends. C'est cette capacité que tu utilises. Eh oui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. C'est ça, M-Gaming. Tout va bien se passer. Enfin, pour moi. Pour Bianca, je sais pas trop. Elle risque de prendre un petit peu cher. Lugula, bon. Hop, on switch. On va jouer allez, Crocorrible. Et hop, une petite mâchouille. Fayoutan, on switch, on va jouer Darumacho. Ou non, Trochon. Quoique Déflaisant est pas mal aussi. Allez, Déflaisant.
Lander. Oh, il évite l'attaque. Oh, ça a piqué ça. On va s'envoler, comme ça on est plus sûr. Et Rotiflamme, hop. Go prendre Clamiral. Et Hydrocanon. Je pense que c'est le one shot. Oui. Mushana, hop. Et ben Mushana va jouer Tranchodon. Avec sa Plécro, il devrait faire assez mal. On ne sait pas en qui spam pas les hypnoses. Allez, Plécro. Oh, il tank. Et il va endormir. Dracogriffe. Bon, je me suis endormi, c'est pas grave. Dès que je me réveille, elle serait KO. Faudra donc attendre un ou deux tours. Par contre, des revoirs, ça fait super mal, hein, c'est un truc de fou. Heureusement que je me suis réveillé tour 2. Shaofuin, ah, elle a encore un Pokémon. Bah, Darumacho, du coup. Il est fort, Shaofuin, l'air de rien. Oui, pas paniquer, pas paniquer. T'inquiète pas, Bianca. Tout va bien se passer. C'est bon, elle panique. Point de feu. Et voilà, Bianca est battue. Merci pour ce combat. Mais vraiment, t'es un super dresseur. Je suis fan de tes combats. On dirait que c'est pareil pour ton équipe. Bon bah Bianca, c'est vraiment pas la dresseuse la plus dure à battre. Hein. Je pense que c'est la plus simple de tout ce qu'on doit battre. Et du coup, je vais aller affronter Chiren. Normalement, il se trouve dans la route victoire. A tout de suite. Oh, Chiren se pose des questions. La force, c'est la seule et unique chose qui compte dans la vie. C'est ce que je pensais quand j'ai rencontré Goya sur cette route. Mais ce n'est pas tout de gagner des combats. Après cette leçon, j'ai appris à voir les choses sous un nouvel angle. Tout le monde possède de la force, à des degrés divers, humains comme Pokémon. La force de réaliser ses rêves, la force de protéger quelque chose de cher. Si je comprends ces choses-là aujourd'hui, c'est grâce à vous, toi, Willy, et Bianca, et Goya. Si seulement N pouvait lui aussi réaliser tout cela. C'est moi-même que je vais chercher sur la route victoire. Comprendre ce que je peux faire, ce que je peux devenir. Toi aussi, viens. J'aimerais t'affronter en duel de Pokémon. Ok. Eh bien, avec la magie du montage, on va s'y TP maintenant. Voilà. Alors, Chiren, qui je vais jouer contre toi? Bah, je pense qu'on va gagner. On va garder la même formation. Willy. C'est difficile, n'est-ce pas, de devoir se regarder dans la glace.
de voir toutes ces choses déplaisantes, toutes celles dont on a honte. C'est vrai. Le plus dur, c'est qu'on ne peut plus se fuir. Ah, c'est Kunz. Je pensais que c'était un mec stylé, genre Enugoya. Mon maître m'a demandé de venir te voir. Je ne me dérange pas. La défaite n'est pas si importante. L'essentiel, c'est d'avoir pu se dépasser. Et donc la victoire sur soi-même. Le combat permet de comprendre son adversaire. C'est Pokémon. Et surtout, soi-même. Tu es venu faire le Pijako pour Goya? Oui. Mais ce que je veux, c'est un combat contre un dresseur qui est capable de se dépasser. Parce que c'est en affrontant ce genre de dresseur que mes Pokémon et moi, nous devenons plus forts. J'attends votre venue à la Ligue. Ouais bah c'est déjà fait, Kunz, on t'a défoncé, donc fais pas le malin. Imagine tu perds MDR, oh bah pfff. Oh, je suis quoi, tu vois, au moins que je vais perdre contre le Chiren. Ah, je suis désolé, mais je roule un peu dessus, hein, lui. Bon. Oui, laisse-moi t'affronter encore une fois. Bon allez, Chiren. À ton tour de te botter le fesse. Léopardus, ah. C'est mauvais contre Symbiose, ça. Mais bon, premier tour, il va me bluff. Ah non. Ok, ça m'a surpris. Je vais te montrer toutes les forces et les faiblesses donc que je me suis découverte. Oui, Exploforce. Ah, il retire son Pokémon. Il switch. C'est un dresseur stratégique. Incroyable. Putain, en plus ma Exploforce a marché, donc j'aurais pu one-shot son Léopardus, je suis trop dingue. Choc Psy. Moi je ne switch pas monsieur, je n'ai pas peur. Bon ok, peut-être un petit peu. Quoique, il va pas se soigner. Putain, il va se soigner, je suis dague. Je pensais qu'il allait se soigner avec guérison et du coup j'aurais pu réattaquer derrière. Mais bon, c'est pas grave. Allez, trop chaudon. Plécroix. Oh, il est quand même rapide, Majaspic. Et il fait mal. Il m'a mis midlife avec une même feuille de merde. Trop chaudon. Ok. Clamiral. Allez, un petit laser glace. Ça va le calmer. Oh, en plus, il utilise des objets, le bâtard. Et il va me one-shot. Ok. Allez, on va jouer Crocorrible, du coup. Et on va faire colère, nous aussi. On est tous les deux en colère. Mais moi je suis plus en colère que toi. Flou tout temps, on change de Pokémon et go mettre. Allez, défaisant. Vu qu'il symbiose des KO, je peux pas faire grand chose. Lame d'air. Ok, on l'a mis midlife. Et vol. Voilà, il est KO. Gigalite. On switch. On va jouer Crocorrible.
On va faire une mâchouille pour casser son sa fermeté. Voilà. Il me fait des pièges de roc, mais on s'en fout. C'est un petit joueur strat en fait, Shiren l'Adorien. Il a les restes, il fait des pièges de roc, il fait des switch. Ah, il est pas, il est pas con, il est pas con. Dommage qu'il soit un peu faible. Crocodile passe niveau 74. Déflaisant. Oh, j'ai envie de garder mon Crocodile. Parce qu'en vrai, il a une petite lame de roc et ça va faire du bien. Oh, on le sweep. Ah, Shiren prend tarif. Hein, c'est triste pour lui. Mais bon, il a résisté quand même, hein. Il a fait un petit truc avec son tronchodon là, c'était pas trop mal. Malheureusement, Crocodile est plus puissant que lui. Ah oui, je prends cher sur les pièges de roc. Allez, surpuissance. Il fait bluff, c'est pas grave. On retente au prochain tour. Normalement, je tank, de pas beaucoup, mais je tank. Et je le one shot avec ça. Bon voilà, Shiren est vaincu. Merci. J'ai enfin découvert ce qu'il me manquait. Du skill. En affrontant de nombreux desserts et le Pokémon, il devient possible de savoir qui l'on est et de tracer sa propre voie. Une voie personnelle, unique. Nous avons la chance d'avoir les Pokémon à nos côtés. Ne l'oublions jamais. Oui. Je vais me soigner. Et je vous retrouve devant Game Freak. Devant le bâtiment de Game Freak. A tout de suite. Nous voilà devant Game Freak. On va aller le taper d'abord ça, je vais voir, je vais peut-être donner des bonbons à mes Pokémon. Qui en aurait besoin d'Arumacho en soi, il est déjà haut niveau. Clamiral, ça me botterait de lui donner un ou deux niveaux. Ouais, peut-être un niveau à Clamiral. Et le reste on donnera après le combat. Allez, c'est quel étage Game Freak? Enfin, Morimoto. 21ème. Hop. On va sauvegarder. Au cas où. On va voir si sa team est si forte que ça. Je crois que c'est le gros bonhomme, hein. Je suis Ronflex. Mais non, c'est une feinte. Je suis le planificateur. Je change de sujet. L'objet reste est un objet très important. Tu as l'air méga balèze maintenant, je le sens. On se fait un combat tous les deux? Oui. Alors c'est parti. Ah, un combat est lancé par Game Freak Morimoto. Allez, on va tabasser Game Freak. Ok. Il va bluffer au premier coup. Je m'en doutais. Allez, méga corne. Je le tanque ça. Je le tanque pas. Un coup critique, mais. Ah, c'est chiant. J'ai horreur de ça. Vous êtes relou. Voilà. Un partout. Tranchodon passe au niveau 74.
Il va prendre Giga Impact. Ouais, non. C'est fort, mais bon, faut que je me repose, donc flemme. Zeblitz, bah go Kokorible. Séisme. Ok, ça me fait rien ça normalement. Par contre ça va piquer. Flou tout temps, on switch, on va jouer symbiose. Et écosphère. Aïe. Allez, je le tank ça quand même. Ça va, je le tank. Je prends aucun deuxième normalement. Ok, attaque spéciale, lui m'a fait une attaque normale, donc ça doit aller. Allez, ça one shot pas ça. Ça me finit pas. Bon, il m'a un peu saoulé, on va faire déflaison. Il vole. Flamoutant. On change de Pokémon, on va jouer encore Kokorible. Allez, séisme. Oh, sérieusement, faut que je me fasse burn. Du coup, je peux faire de dégâts. Allez, on y croit. C'est pas grave si je suis KO. Déflaison va l'achever. Lame d'air. Ça l'achève pas, je suis deg. Bah oui, il va se soigner évidemment. Oh, tu es un faible, Morimoto. Tu vois ce que je vais faire à tes Pokémon. Rhinolove, Go Tranchodon. Allez, une petite clé croix. Deuxième clé croix. Ok. Faillotant, on switch. Et on va jouer Darumacho. Il va se prendre un bon point de feu dans la face. Ça, tiens, ça c'est pour épée et bouclier. Et pour Nabil.
Fais-nous des bons rivaux comme haine. Et voilà, on a vaincu Game Freak Morimoto. C'est une crête de stratège. J'ai perdu. Mais c'était drôlement enrichissant. Et surtout amusant. Reviens demain. Ouais, ouais, bof. Hein. Juste, il m'intrigue le mec à côté, mais je sais pas si c'est un dresseur. Ah, ok. On s'en fiche. Et lui? Ok. Bon, assez blablaté. On va aller se faire Cynthia. Et avec la mèche du montage, à la fin de cet ascenseur, je vais m'y TP. A tout de suite. Allez. Oh, bah alors. Tu t'es fait des copines? Quel gâchis que d'avoir des pouvoirs extraordinaires et de ne pas être capable de les maîtriser. Mieux vaut être ordinaire. L'arc-en-ciel et l'argentelle, elles enflamment mon imagination. Oh, te revoilà. Quel plaisir. Je m'excuse d'être aussi direct, mais que dirais-tu si nous livrions à un duel? Je sens mes Pokémon trembler d'excitation à l'idée d'en découdre avec les tiens. Voudras-tu bien être mon adversaire? J'en suis enchanté. Laissons-nous aller sans restriction. Allez, c'est parti. À nous deux, Cynthia. Allez, mâchouille. Ok, ça commence pas trop mal. Deuxième mâchouille. Voilà, un Pokémon est battu déjà. Mon impudence augmente. Tu peux gérer, mais il faut faire attention à chaque tour. Oui. Mince, j'ai pas vu son Pokémon, c'est quoi son Pokémon? Attendez, je regarde la rediff. Milobelus, ok. Milobelus, symbiose. Clamiral contre Cachocro type haut sur sol. Oui, t'inquiète pas, je vais prendre Clamiral, mais pour autre chose, tu vas voir. Allez, Écosphère. Ça fait très mal. Et moi je ne fais rien. Choc psy. Même si je pense que je suis KO. Ah, son Milobus va être un peu chiant. Milobelus. Allez, déflaisant. Lander. Ok. Voilà, le feu n'est plus là. Surf. Ah oui, ça fait rien. Hydrocanon. Elle va soigner évidemment. Ça fait mal. On va spammer Megacorn. On va se soigner comme elle l'a fait.
Oula, mon jeu lag. Attendez. J'essaie de gagner un petit peu de mémoire vive. De moins prendre de performance. Voilà le jeu. Pourquoi tu lags? Mais... Non. Reviens, Clamirol. Je suis pas d'accord. Ah, c'est pas Goya là. Ah bah oui, hein, c'est beaucoup plus dur. Allez, amène-toi. C'est pas un petit sol si t'amuses. Moi, je te mets KO. Au massacre. Hop, on switch. On va jouer croc horrible. Je sais que je peux pas faire de séisme parce qu'il a lévitation. Mais on va faire d'autres attaques, vous inquiétez pas. Oh, j'aurais peut-être dû jouer dans mon macho, je suis un peu con. Allez, lame de roc. Machouille. Et il est KO. Crocodile passe niveau 75. Lucario. On change de Pokémon, on va mettre Darumacho. Et point de feu. Ok, il est one shot. Il reste encore Cachacroc et Gaïaugle. Allez, Clamiral peut faire le taf contre Cachacroc. Que de nostalgie en te montrant ton live. Ah ben... N'oublie pas, le stop sera toujours mieux sur tes Pokémon. Oui, oui. Là, par contre, on va faire un petit laser glace parce que ça fait x4. Et x4, ça va faire mal. Ah. Ok, je vois le délire. Est-ce que ton Tarumacho a le mode trans? Non. Il a pas trans, il a... Sans limite. Allez, si je tank ça, je peux lui faire mal. Je tank pas. Allez, Dracogriffe. Allez, s'il te plaît, ton chaudon tank. D'accord. Ok, ok, ok. On va déjà un rappel max. Allez, Clamiral, tu peux le faire. Laser glace. Il tanque un PV. Ah, j'ai envie de tenter. On va faire une bêtise, on va tenter. Normalement je suis censé le tanker hein. Bah oui, je tanque pas évidemment. Ah,
Vengeance. Je n'écoute pas, je me venge. Vas-y, amène-toi, Cynthia. De Pokémon, ça ne fait toujours pas des dégâts fixes. Ouais, mais bon, c'est chiant. Voilà, il est KO, lui. Milobelus, du coup, on fait pas la bêtise. On joue directement avec l'amiral. C'est ça qui m'a eu, en fait, tout à l'heure. Les mégacornes. Deuxième mégacorne. Troisième mégacorne. Oh, il est vite, sérieusement. Oh, il me fait ça avec sa Draco queue. Je suis plus rapide que Milobelus ou pas? Non, je suis pas plus rapide que lui. Allez, Mégacorne. Voilà, va te coucher. Au massacre. On change de Pokémon. Oh, Symbiose, il me tente en vrai de jouer, mais bon. Cocorrible. Allez, Machouille. Il me brûle un peu la gueule, mais c'est pas grave. Machouille encore une fois. Lucario, on switch. Et on joue Darumacho. Point de feu. Cache-à-croque. Alors j'ai envie de suicider Déflaisant parce que Déflaisant ça me servira à rien. Et qu'il faut que je soigne Clamiral. Tu as bien fait bizarre et balayé Tranchodon. Oui. Allez hop, une petite guérison. Oh, je tank. C'est une occasion à prendre. Tiens. Blizzard après, non? Ben, j'ai pas Blizzard. J'ai Lazaglas. Mais oui, Lazaglas. Vous inquiétez pas. Tiens, mange-toi ça.
Guerrier aigle. Bon, elle est coco horrible, hein. Je ne sais même plus quand on remonte la dernière fois, je me suis retrouvé en position délicate. Il y a 3 semaines, Cynthia, tu as la mémoire courte. Allez, c'est fini. Bah, vous voyez quand on se paxe, tout va bien. Quand on se prend pas des crits. Oh, je suis tout excité à la... avoir pu faire un match. Avec... Tu es vraiment un dresseur exceptionnel. Oulala, mais tu parles trop vite, Cynthia. Calme-toi. Une chose m'est revenue. Je compte sur toi pour continuer à sillonner le monde à la rencontre de toutes sortes de gens et de Pokémon. Et je dis un jour à ce dresseur qui te ressemble tant. Je ne regrette vraiment pas d'avoir fait tout ce voyage jusqu'à Unis. Ta rencontre fut un événement majeur. J'ai pu élargir mes horizons grâce à toi. Et ben voilà. Du coup... c'est sur cette victoire, enfin cette défaite puis une victoire, qui sera potentiellement transformée juste en victoire dans la rediff, que je vais vous laisser là pour ce live. On a terminé Pokémon Blanc. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura plus Pokémon Blanc. Il y aura un nouveau let's play, Bowser Fury. Après que tu auras fini Blanc, tu vas t'attaquer à Noir 2, à Noir et Blanc 2. Non, pas tout de suite, UTZOTV. Là, on va s'attaquer maintenant à Bowser Fury. Donc un petit let's play de quelques lives, hein, 3-4 lives, je pense que ça sera fini. Et on retournera en juin sur Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Entre temps, il y aura sûrement Pokémon Snap qui va apparaître, parce que je dois recevoir le jeu bientôt. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains let's play. Et de prochains let's play sur Pokémon. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.